Nous proposons à nos clients deux types de massages, le massage du cuir chevelu et un massage un peu plus élargi au niveau des épaules et du buste. Et ce massage a pour le but de relaxer complètement le client et d'organiser une très bonne circulation des vaisseaux sanguins. Ce massage est bien sûr accompagné d'un soin spécifique qui est le soin à l'huile d'argan. Et cette huile a des vertus assez extraordinaires parce qu'elle soigne profondément la tige du cheveu et le cuir chevelu si le cuir chevelu est malade. Un massage avant une couleur, c'est exciter le cuir chevelu pour rien. Alors sachant que la couleur est quand même une réaction chimique, il vaut mieux faire un massage relaxant après la couleur. Dans le cas d'une séborrhée fluente, c'est-à-dire un cheveu ultra gras, il est déconseillé de trop masser, ça ne sert à rien. Ça va exciter les glandes et on va se retrouver avec une séborrhée fluente et le client ne se débarrassera pas de son problème de cheveux gras par le massage. Un massage part toujours de la partie frontale en passant par le vertex et l'occipital et la nuque et après les épaules. L'huile d'argan a pour but sur le cuir chevelu de complètement réhydrater, protéger le cuir chevelu et sur la tige du cheveu et la pointe du cheveu de complètement la protéger contre l'agression de la chaleur, de l'été au soleil. Et souvent on additionne de l'huile d'argan dans un shampoing qui est très bien pour les cheveux colorés par exemple, desséchés. Homme-femme, le shampoing est conseillé tous les jours. Cheveux gras ou cheveux secs. C'est mieux de se débarrasser des impuretés, de la poussière, de la pollution tous les jours. On se lave bien la peau tous les jours, on peut se laver les cheveux tous les jours. Il faut se masser absolument le cuir chevelu. Donc ce que je conseille aux gens, quand on a le temps, le matin, ça dure 3 minutes, on s'assoit sur le bord du lit, on penche la tête en avant au-dessous des genoux et pour faire activer la circulation du sang, on se masse pendant 2 ou 3 minutes. Et je peux vous dire que si on se masse bien le cuir chevelu tous les matins, on risque d'avoir des cheveux superbes toute sa vie.